Alexia et je vais être votre présentatrice pendant cette émission. Bonjour, comment ça va? On commence avec les éphémérides. On continuera avec une présentation du lionceau écrit par les CM2, puis la poésie de l'alphabet. Ensuite, une interview de Monsieur Lechamp, puis des virlandes très rigolos, une poésie de la rentrée, l'énigme et finalement, nous écouterons Nicole avec son violon. On enchaîne avec Tristan et ses éphémérides. Bonjour, on est 27 septembre. Il fait beau. C'est le tour d'Hugo. Bonjour, le lionceau c'est un journal qui est fait par les élèves de primaire. Le lionceau c'est une double page par journal qui sortira une fois par mois. On trouvera des infos sur l'école, des jeux, des blagues, des recettes, des reportages. Le premier lionceau est fait par les CM2. Il sortira en octobre. On espère qu'il vous plaira. Les CPA vont nous réciter une poésie. Paula et Lucas et Jimena et Catalina ont interviewé Monsieur Lechamp. Buenos días, señor Lechón. Bonjour. Vamos a hacerle algunas preguntas. ¿Cuál es su trabajo? Yo soy artesano joyero. ¿Por qué eligió trabajar en ello? Porque me gustaba mucho la creatividad y me gustaba hacer cosas con las manos. Se me daba bien y vi que era una de los oficios a los que me podía dedicar. ¿Ha viajado alguna vez por su trabajo? Mucho. De ferias, pues por toda España. ¿Qué materiales utiliza para hacer sus joyas? Me gusta mucho trabajar con el metal, sobre todo. En este caso, con la plata. Y luego utilizo pues otros materiales, como madera o también papel. Y para terminar, una última pregunta en francés. ¿Cómo se llama vuestro magasin? Mon magasin s'appelle Grelemer. Muchas gracias por haber respondido a nuestras preguntas. Muchas gracias a vosotras. A bientôt. Est-ce que je peux vous poser une autre question? Oui, bien sûr. Quelles sont vos sources d'inspiration? Moi, j'aime bien toujours regarder la nature et les mouvements. Merci. Merci à vous. Paula nous fera une présentation des virlandes que réciteront Anna Sofia, Samuel et Sofia. En CE2, nous allons apprendre des virlangues. Les virlangues vont avant tout favoriser un travail d'écoute et d'articulation. Ils permettent d'initier un travail sur le rythme en rythmant la diction de la phrase. Ils favorisent également le travail sur l'intonation et la respiration. Lili lit le livre dans la lit. 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 6 sip chic. 6 sip chic. 6 lip chic. 6 lip chic. 6 lip chic. 6 lip chic. 16 chaise, sèche, sèche, chaise, sèche, sèche, chaise, sèche. Les CMA nous proposent l'énigme d'aujourd'hui. Mystère. Mysterio. Mystery. Qu'est-ce qui est invisible quand il monte et invisible quand il descend? Nous écoutons Nicole jouer du violon. Thank you.
finir, Rose et Capucine vont nous réciter une poésie de la rentrée. Rentrée. Tu sais, moi, dans mon cartable, il n'y a pas de cahier et pas de dictée. Il y a juste de quoi rêver. Tu sais, moi, dans mon cartable, tout est bien rangé. Je n'ai rien oublié. Tout est neuf. C'est la rentrée. J'espère que l'émission d'aujourd'hui vous a plu et on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. À bientôt. Radio Kids.